Et salut. Bon alors voilà, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai récupéré des coffres. Et donc on a obtenu pas grand chose, hein. Un habit tigré pour lui, pour Trago. Il n'y a que lui qui peut le porter, voilà, ça augmente quasiment tout. Hein. Donc, je vous montre par rapport à ce qu'il avait avant, voilà. Et une super potion qui soigne, voilà. Tout simplement. Donc c'est tout. Par contre, comme en leak, Ren m'avait déjà ça sur elle, Bag Memento. Donc ça empêche de se prendre les attaques, enfin les attaques qui tuent un coup, ben voilà, ça les esquive. Et je lui ai mis plastron. Alors qu'est-ce que c'est plastron déjà? Voilà. Voilà, comme ça on pourra plus se faire prendre en traite, etc. Et du coup j'ai un peu changé. Lui je l'ai mis sa bague esquive qui augmente les chances de voler parce qu'il volait jamais. Et voilà, du coup il a plus le tintinabar, tant pis. Donc il faut aller maintenant vers le bas. C'est le trou du bas qu'il fallait prendre. Sans jeu de mots. Et voilà, on monte. Et on est bientôt sorti. Ouais, ouais. Et là, on voit un esper. Donc, excusez-moi si vous entendez que ça crache, parce qu'il faut pas parler trop près du. De la webcam en fait, sinon ça déconne. D'ailleurs, pendant la vidéo de l'opéra, c'était horrible. Hein. Bon, je vais parler d'ici, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, tout ça, c'est des espères. Hein. C'est une espèce de musique mystique assez sympa. Donc je parle pas, hein, je fais exprès. Hein. C'est pour vous laisser la scène. La qualité de la vidéo précédente était vraiment horrible, donc j'aurais pas dû changer en encodeur, j'ai remis celui d'avant. Donc ça devrait être comme avant maintenant. Donc là vous dites c'est fini, puisqu'on a plus de guerre avec l'Empire. Et les espères ne veulent plus nous attaquer. Donc voilà, c'est la paix, le jeu est fini. Mais c'est pas si facile. Donc là on retourne voir le général Léo, il nous a accompagné en bateau, si vous vous rappelez bien. Avec Céleste. Il y aura une scène de Barlow, je crois. Donc voilà, c'est la paix entre les espères et l'Empire. Kefka est en prison, etc. On a eu chaud, bah ils vont voir ce que c'est d'avoir chaud un peu longtemps.
Vous reconnaissez le rire de Kafka qui s'est échappé de prison. On va voir une... encore voir une preuve de sa cruauté. Il a porté des armures logitech avec lui. Ça, c'est le thème de Kafka à la musique. Vous voyez Léo, il est surpuissant, hein, je vous le dis, ça lui a rien fait. Donc ça c'est une scène de taré, hein, vous allez voir. Là il bute les espères, il prend là, les magicites. Ouais, il massacre le village. Enfin. Là, vous voyez encore que c'est un petit enfoiré. Là on contrôle Léo maintenant. Vous voyez c'est un noir, on le remarque même pas. Sa tête est bizarre, ouais. Enfin il a une bien gueule de muté. Hein. Donc il est niveau 25, voilà. Et donc là, on peut faire plein de trucs. Comme se barrer, non je déconne. Ce qu'on peut faire c'est... Ça on n'est pas obligé de le faire. Hein. Non j'aurais pas dû faire ça en fait. J'ai une énorme bordel d'enculé de conneries là. Ouais. N'essaie même pas de les battre. Hein. Ils sont invincibles. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire c'est exposer la gueule de ce petit enfoiré. Et là vous allez voir la puissance de Léo. Donc il peut faire ça. Ça fait sur tous les ennemis. Ça fait très mal sur tous les ennemis. Bon là il y en a qu'un, ça sert à rien. Et il peut aussi faire ça. C'est pas une simple attaque. Enfin comme vous voyez ça fait mal. En fait, c'est quasiment impossible de perdre. Et là, il y aura une scène tragique, attention. Il a plein de magicite, je vous rappelle, donc il a plein de pouvoir et tout ça. Et voilà, il a buté Léo. Moi, je vous jure, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu envie de rentrer dans le jeu là. Kafka, je vous dis pas ce que je voudrais faire. Parce qu'en plus, Léo il est énorme comme perso. C'est le seul du royaume quasiment. Et là, désespère à nouveau. La porte qui était scellée.
ils ont tué encore des espères l'Empire, donc c'est... Là, c'est plus possible. Bon, on les reconnaît, les espères, en plus. Donc les espères se barrent. Ils vont tout détruire, là. Bon, c'est un bug, hein, le truc avec Terra. Et ça le fait même sur la version... la vraie version. Ça me dit que vraiment, on vient aussi. Il est surpuissant maintenant, quelqu'un avec toute sa magicite, tout ça. On va combattre entre un espèce d'Ifrit et Kafka. Vous voyez, Kafka est vraiment le grand méchant du jeu, c'était pas Vestal, hein, de vrai. La crème magique qu'il a là, j'imagine pas quoi. Là voilà la tombe du général Léo. Donc là ils ont mis le thème de Terra qui va bien, assez bien parce que c'est un thème triste et ça. Ah oui, même Shadow est mort. Donc là, ils étaient dans le dirigeable bien au chaud pendant qu'on était en train de se faire massacrer, sympa. Ça c'est... Donc il nous fait ces conneries là, en plein milieu de... Tout le monde est mort, l'autre il se fait de l'humour, j'adore ça. Donc Léo est bien mort, hein. Et on peut l'avoir grâce à l'action replay.
On peut aussi avoir Kafka grâce à Action Replay. Donc il y a un Action Replay intégré dans comment dans l'émulateur, donc je vous le montrerai mais vers la fin du jeu. Et on n'y est pas, hein. On est, je sais pas, non, même pas la moitié du jeu. Hein. Mais vous inquiétez pas, vous aurez pas le temps de vous ennuyer, il va se passer plein de trucs. Putain, mais lui, mais... Il va devenir pédophile, ça t'a rien. Attends, on contrôlera. Alors, là, je l'ai enlevé, parce que j'aime pas ses gueules. Voilà. Alors... Là, je vais faire un truc très important. Récupérer un nouveau personnage. Bon, je passe par là d'abord. Donc ouais, l'empereur Vestal nous avait menti. Hein. En fait, il voulait pas faire la paix, c'est un gros salopard. Une petite cinématique, si on peut pas appeler ça comme ça. Donc là voilà, il crève, ça les gens. C'est le gros massacre. C'est l'apocalypse. Donc là on voit une ombre, en fait ça. Vous avez vu tout à l'heure là, un continent qui se fend en deux. Hein. Voilà le continent flottant. C'est un morceau de terre qui s'est arraché. Voilà. Et je pense que la fin. Voilà les trois statuettes, voilà. Dont je vous avais parlé. On avait vu. Qu'on était avec Ultros là. C'est l'origine de toute ma vie, enfin, les trois statuettes en fait. Enfin, statues plutôt. Donc si les statuettes ne sont pas... L'équilibre des statuettes est rompu, c'est-à-dire si on les bouge, c'est la fin du monde. Donc ne surtout pas faire ça. Surtout pas. Parce que là, on va faire de l'XP comme des porcs, on va prendre 2500 techniques, etc. Donc ne pas faire le con. Voilà, j'en fous la carte. Donc là, je vais aller... Vous allez voir... Ah... Je sais même plus comment ça s'appelle. L'archer, voilà. Ça, c'est Collingen, ouais. Bon, il est où l'archer, merde. C'est par là, pourtant. Ah, et là, on peut aller, regardez. Ici. Maison, donc je vais vous montrer tout ça à la prochaine vidéo, hein. Donc et là ça va chauffer parce qu'à partir de la prochaine vidéo c'est un truc de barjo, hein. On va faire plein de préparatifs avant d'aller au continent flottant, donc je vous laisse la surprise et à bientôt.